Ils viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve, le prix de Saint-Nazaire, un handicap au poulain pour les jeux de 3 ans. 1600 mètres à parcourir avec un bon départ côté corde pour Estafina. On est bien parti également à l'extérieur avec le numéro 11 Alcossin et on vient le long de la corde avec le numéro 3 Asoumou de Misrata. On est en quatrième position avec Flashin, accompagné également côté corde par le numéro 5 Divine Destiny, juste devant l'ultime démote avec complètement à l'extérieur Rudban avec également côté corde le numéro 4, Lazamtov. Et on est en dernière position avec Eric Abrune, accompagné également à son extérieur par Loi du Tango. Ils abordent le dernier kilomètre sous la conduite côté corde du numéro 3, Soumou de Misrata, accompagné par Algossin. Estafina est en troisième position avec également côté corde Ultime Démote, accompagné à son extérieur par Flashin. On est complètement à l'extérieur avec la casaque rouge de Estafina. On vient également le long de la corde avec Lazamtov, accompagné par Ultime Démote, qui fait partie plutôt de l'arrière-garde, ainsi que Rudban de Loi du Tango, également de Malawa. Avec toujours au commandement le numéro 3, Soumou de Misrata, accompagné par le numéro 11, Alcossin. On est toujours dans leur sillage avec Divine Destiny, alors que sur la même ligne au centre, nous avons toujours Estafina. On vient flanc de peloton maintenant avec Flashin, Loi du Tango qui se rapproche en 6-7e position. On l'accorde Ultime des modes devant Erika Brune, Rudban et Malawa dans cet ordre. 300 mètres encore à parcourir avec côté corde. Nous avons Divine Destiny, attaqué maintenant par Lazamtov, attaqué également en pleine piste par Alcossin et complètement à l'extérieur par Estafina et encore un peu plus loin nous avons Flashin. Il leur reste 150 mètres à parcourir avec Lazamtov à la lutte avec Estafina à l'extérieur et en troisième position Divine Destiny avec Estafina qui s'impose dans cette deuxième épreuve. La deuxième place pour le numéro 4, Lazamtov, la troisième place pour le numéro 5, Divine Destiny, devant encore le numéro 11, Alcossin.